Alors les gens disent ceci: tu es mon roi Seigneur, ta joie fait mon bonheur. Chaque jour je te louerai, tes desseins sont parfaits. N'est-ce pas? Va les faire comme nous. Répétez juste après moi. Tu es mon roi Seigneur. Tu es mon roi Seigneur. Ta joie remplit mon cœur. Ta joie remplit mon cœur. Chaque jour je te louerai. Chaque jour je te louerai. Tes desseins sont parfaits. Tes desseins sont parfaits. Voilà, n'est-ce pas que c'est simple? Donc vous répétez les mêmes paroles que moi. Même si tu ne connais pas la chanson, au moins tu vas ressortir avec un chant que tu as pris. Oh, tu es mon roi Seigneur. Tu es mon roi Seigneur. Ta joie remplit mon cœur. Ta joie remplit mon cœur. Chaque jour je te louerai. Chaque jour comme je aujourd'hui. Te louerai. Tes desseins fais-moi comme nous. Jésus. 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 Oh, Jésus. 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 Nous te louons. Nous te louons. Acclamer, acclame les seigneurs comme il faut. Décris les gens comme il faut. De la même manière, la parole de Dieu nous dit. De la même manière, la parole de Dieu nous dit cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Cela veut dire qu'il y aura un temps, le Seigneur ne sera plus facile à trouver. De la même manière, acclamez quand vous le pouvez. Parce qu'il arrivera un temps où vous ne saurez plus acclamer. Il arrivera un temps où vous ne saurez plus pousser des cris de joie.
Toutes choses existent pour un but. Quand nous acclamons le Seigneur, c'est parce que nous avons l'opportunité de le faire. Quand on pousse des cris des gens, c'est parce que nous avons l'opportunité de le faire. Nous voulons dire simplement au Seigneur, nous t'invitons. Tu es Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu parmi les hommes. Emmanuel veut dire le Seigneur qui vient habiter au milieu de son peuple. Emmanuel veut dire le Seigneur qui vient habiter au milieu de sa nation. Et ce matin, nous sommes venus parce que nous croyons que le Seigneur est avec nous. Est-ce que là où tu es, tu peux élever ta voix et dire simplement au Seigneur, je sais que tu es là, alors je t'invite. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Dis-lui, je sais que tu es là. C'est pourquoi je t'invite. Je t'invite ce matin. Je t'invite ce matin, en ce moment. Tu es le Dieu des cieux. Tu es le Dieu des cieux. Le Dieu des cieux. Le Dieu des cieux. Merci. Alléluia. Tes promesses dans ma vie, elles s'accompliront toujours. Car je sais que tu es là. Moi je sais que tu es là. Tes promesses dans ma vie, elles s'accompliront toujours. Car je sais que tu es là. Oh, je sais, Emmanuel. Hey, ma, hey, ma.
Emmanuel dans tous les problèmes de ta vie. Si tu crois que Emmanuel est présent pour prendre sa place dans tout ce que tu traverses, invite Emmanuel. Prends le temps de parler avec Emmanuel. Emmanuel, nous t'invitons ce matin. Sois invité, Seigneur, dans nos cœurs. Sois invité auprès de nous. Dans les moments de trouble, tu es là. Dans les moments d'épreuve, tu es là. Dans les moments difficiles, tu es là. Dans les moments sombres, tu es là. Nous croyons en ta présence. Demeure avec nous, Emmanuel. Vis avec nous, Emmanuel. Cohabite avec nous, Emmanuel. Chemine avec nous, Emmanuel. Ta présence est tout ce dont nous avons besoin. Ta présence est tout ce que nous recherchons. Vis avec nous. Règne avec nous. Nous t'invitons, Emmanuel. Ton église t'invite. Ton église t'invite. Dans ta présence. Ton église t'invite. Ta maison t'invite. Nous t'invitons, Emmanuel. Demeure avec nous. Reste avec nous. Marche avec nous. Tu es Dieu. Oh, la vantable Seigneur. Emmanuel, 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 Emmanuel. Dis-le juste Emmanuel.
Emmanuel est déjà présent avec nous, au milieu de nous. Quand nous invitons Emmanuel, quand nous appelons Emmanuel, il vient. Il fonctionne mieux que les pompiers. Il fonctionne mieux que le SAMU qui prennent du temps. Nous, lorsque nous l'appelons Emmanuel, tout de suite il est là. En fait, il a toujours été là. Dès que tu dis Emmanuel, il se manifeste. Dès que tu dis Emmanuel, il s'active. Ce matin, je crois que Emmanuel, le Dieu qui veut habiter au milieu de son peuple, c'est le Dieu qui veut faire alliance avec son peuple. Oh Emmanuel, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Et là, là, là. Emmanuel, la gloire est à toi. Emmanuel, le règne est à toi. Emmanuel, le règne est à toi. Emmanuel, c'est en toi que nous avons toute notre confiance, tout notre appui, toute notre assurance se trouve cachée dans Emmanuel, cachée dans le Dieu qui se manifeste, le Dieu des cieux. Merci Seigneur. Oh, merci pour Jésus. Oh, lorsque nous ne voyons rien, tu nous proposes ta présence permanente, Emmanuel, une présence permanente des dieux. Emmanuel, le Dieu permanent au milieu de son peuple. Emmanuel, le Dieu permanent dans son peuple. Emmanuel, le Dieu permanent au milieu de son peuple. Emmanuel, le Dieu permanent parmi nous, le Dieu qui est là, le Dieu vivant. Éternité, Chandaraba. Nous est
chantons gloire. Souverain dans mon cœur, l'agneau est souverain.
Que notre vie est entre les mains du Seigneur. Notre joie est dans le Seigneur. Notre assurance est dans le Seigneur. Notre paix, c'est dans le Seigneur. La Bible dit même la capacité de respirer. C'est en lui que nous avons la respiration. C'est en lui que nous avons le mouvement. C'est en lui que nous avons l'être. Donc c'est dans le Seigneur que sont toutes choses. Et ce matin, lorsque nous disons l'agneau est souverain, ce n'est pas simplement parce que nous connaissons le mot, mais c'est parce que nous nous rendons compte que Dieu existe dans tous les domaines de ma vie et Dieu occasionne tout ce qui m'arrive. C'est pourquoi nous le disons simplement, l'agneau est souverain. Il est souverain. Est-ce que tu veux le chanter avec nous? Si tu réalises que Dieu est important dans ta vie. Oh oui, dans ma vie. Que tu es là et tu mérites toute la gloire. Oh oui, Jésus. Dans tout ce que je dis, partout où je vais, je me rends compte que c'est toi qui occasionne.
Est-ce qu'on peut les chanter ensemble? Simplement Jésus. Un seul mot, le nom de Jésus. Jésus. Disons-le, le nom de Jésus. Jésus. C'est le nom qui ressuscite Jésus. Nos vies sont cachées en toi, Jésus.